Lorsque l'on pense à une figure horrifique, on a tout de suite en tête quelque chose d'implacable, de terrifiant, d'imposant, rien que dans notre manière de l'imaginer. Ainsi se posent les grandes figures du cinéma d'épouvante et d'horreur. Ces figures presque monolithiques, avançant implacablement dans une pénombre presque constante, à peine visibles au cœur de la noirceur d'un monde dans lequel ils semblent parfaitement avoir leur place, comme si cela était une évidence, une logique impossible à remettre en question, comme si en soi cette peur était d'une parfaite cohérence. Souvent, les auteurs aux commandes de ce genre de production, ou d'œuvres créatives, cherchent avant tout à jouer avec une idée qui pousse cette chose, cette créature, cette masse faite de peur et d'épouvante, à devenir la représentation parfaite de ce que certains voient de notre monde, de ce que d'autres distinguent de la société, et de ce que certains pensent de leurs contemporains. Et c'est tout simplement cela qui fait la forme, la force et la logique de ce genre de long métrage, qui semble aujourd'hui être simplement devenu des œuvres emmenées par des clichés, mais qui possède encore cette puissance dramatique et cinématographique. Et le long métrage que l'on voit aujourd'hui comme un classique du genre s'est posé comme une vision assez novatrice de l'épouvante. Une vision du genre amenant au cœur de cette nuit des morts vivants une peur qui allait littéralement déferler par la suite au cœur du 7e art. Une peur qui est devenue la représentation d'une société enfermée dans des idéaux, coincée dans une vision parfois fermée de celle-ci, mais avant tout une représentation politique de ce que l'Amérique, pour son auteur, était en train de devenir à l'époque, c'est-à-dire en 1968. George Romero, qui fera de sa carrière littéralement une exploration de l'idée du zombie au cœur du cinéma, délivre avec ce premier métrage une œuvre fondatrice du cinéma d'horreur, emmenant non seulement à son paroxysme une créature qui deviendra ensuite essentielle au cinéma d'épouvante moderne, quand on voit que même lui s'est senti dépassé par ce personnage qu'il a créé, mais délivre à l'époque un chef-d'œuvre quasi instantané du cinéma de genre, qui ne fera que gagner en puissance et en aura au fur et à mesure des années, et de son ascension vers des sommets de cinéma de peur et d'horreur, ancré dans la société américaine. Voyageons donc quelques instants, le temps d'une survie essentielle pour un groupe de personnages, face à une peur venue d'outre-tombe. Car au cœur des années 60, on considérait que le cinéma de genre était emmené par des monstres venus de l'espace ou des marées. Mais à l'époque donc, le scénario développé par Romero et Russo, qui n'était tout de même pas forcément aussi créatif ou inventif que ce que l'on peut imaginer, restait tout de même une jolie prise de risque, cherchant à amener une peur non pas extraterrestre ou fantasmagorique, mais une peur venant directement du passé, une peur cherchant à renouer avec les histoires racontées par certains dans les temps anciens, une histoire biblique, une histoire humaine et glaçante. Dans la construction de l'écriture, dans le développement des personnages, dans l'acheminement de l'idée de survie et dans la construction de ce qui deviendra par la suite un fondement du genre, les deux auteurs ont cherché également à mettre en relief la société américaine, en parvenant à la fois à glisser un propos assez engagé par la présence de ce personnage afro-américain au centre de la survie et du regard que lui portent les autres, la société américaine, alors qu'ils sont dans la même situation, ou ressent une envie de construire une écriture bien plus puissante que simplement une évocation du cinéma de genre. Une écriture qui cherchera à être la base d'un cinéma d'épouvante, amenant des problèmes de société avant d'amener de l'horreur. Dans sa mise en scène, Romero a cherché à être le plus sobre possible pour ensuite être le plus crédible au sein de son œuvre. Parce qu'en soi, difficile d'être crédible lorsque l'on a peu de budget et que l'on souhaite ramener les morts à la vie. Et c'est ainsi que la mise en scène du cinéaste américain cherche avant tout à jouer avec la suggestion, les plans éloignés, l'ambiance et le ressenti du spectateur sur les situations, tout en montrant également que la peur vient aussi de l'intérieur de la maison et non uniquement de l'extérieur. Bien évidemment, cette mise en scène de la peur au sein de l'endroit protégé et supposé être sécurisant est à la base d'un cinéma de genre ancré dans cette période, mais on sent que dans sa mise en scène, le regretté cinéaste a cherché à mettre cela le plus possible en relief en construisant par le biais de sa lumière, de la splendide musique de Lucina et de tout ce qui fait la forme de cette œuvre, un film qui permette à cette créature de devenir avant tout le symbole d'une humanité refermée sur elle-même, incapable de distinguer le danger de la sécurité. Une mise en scène assez visionnaire dans le genre, puisqu'aujourd'hui, devenue la base d'un bon film d'épouvante. Bien évidemment, impossible d'aborder le brio de cette œuvre sans mettre en avant la créature qui en a fait sa légende. Car bien évidemment, si l'on connaît et reconnaît ce long métrage comme un film fondateur et précurseur, c'est également parce qu'il a su construire une figure d'épouvante qui allait ensuite devenir ce qui ferait tout le cinéma de genre, ou presque, de la seconde moitié du XXe siècle, au cœur du cinéma américain, ayant été clairement utilisé à toutes les sauces. Romero en fait ici un personnage imposant, glaçant, terrifiant,
mais également une figure lente, noire, cachée dans le fond de l'écran, ne semblant pas forcément menaçant au premier abord, mais rapidement, se posant face au personnage et au spectateur comme une horreur impossible à éviter et à outrepasser. Et c'est cela, par le biais de la photographie extrêmement moderne de Romero lui-même, que le film est devenu légendaire. Car cette caméra, tantôt extrêmement proche des personnages, tantôt extrêmement proche de l'horreur, donne lieu à toute la forme et la puissance cinématographique de cet antagoniste, que ce soit simplement lorsqu'il attend, ou même plus radicalement lorsqu'il attaque. C'est dans sa mise en scène et dans sa manière d'amener son antagoniste que Romero a fait la notoriété de cette œuvre immense. Bon, là pour le coup, on ne peut clairement pas tout sauver, mais on peut clairement ressentir une vraie envie de la part de ses acteurs. Autant en parler tout de suite. On sent que Judith Odea était un peu perdue sur le tournage et que potentiellement elle n'a peut-être pas forcément donné le mieux de son jeu pour faire ressortir cette jeune femme, même si bien sûr, elle est rentrée dans la légende par le biais de cette réplique fantastique de Russell Striner. They're coming to get you, Barbara. Ceux qui ressortent le mieux restent tout de même Carl Hardman et Keith Wayne, qui délivrent des prestations assez justes dans les rôles d'Harry et Tom, apportant beaucoup au métrage et permettant surtout à deux personnages très opposés de parfaitement ressortir face à la caméra de Romero. Mais bien évidemment, c'est la prestation de Joanne Jones qui ressort le plus, l'acteur portant à la fois le message politique du métrage, ainsi que la puissance dramatique avec une extrême justesse parvenant à jouer avec brio avec la peur du spectateur face à cette peur toute nouvelle. Rappelons également que la majorité des acteurs ici présents passaient pour la première fois devant une caméra. Donc on peut imaginer que toutes ces petites hésitations de jeu sont simplement la peur de passer pour la première fois sur une toile de cinéma. Comme si finalement, tout était un peu précurseur sur le développement de ce métrage hors norme. J'ai mis plusieurs années à voir cette œuvre, et à la considérer à sa juste valeur, car lorsque l'on est un peu plus jeune, on a un peu la sensation que le long métrage a pris de l'âge, et clairement c'est le cas. Mais il réside au cœur de cette œuvre quelque chose de fort, d'intense, de passionnant et d'impressionnant même par instant, cette sensation que tout est nouveau, et que beaucoup de choses sont expérimentées. En rappelant qu'il s'agit d'une première œuvre de cinéma pour son auteur, qui s'occupe également du montage et de la photographie, que la plupart des acteurs sont des débutants au cinéma et qu'ils essayent de se donner à fond pour rendre l'œuvre la plus juste possible, tout est là pour forger une grande œuvre de 7e art en devenir, un futur modèle des Midnight Movies, mais également une œuvre de genre comprenant une peur qui sera ensuite la base fondatrice d'un cinéma moderne dont la fin, par exemple ici, reste encore aujourd'hui l'une des fins les plus glaçantes et terrifiantes du cinéma. Un classique du genre, qui a peut-être un peu pris de l'âge, mais qui n'a rien perdu de sa superbe et de son horreur.